Ce matin, je vous retrouve pour une morning routine, chose que je n'ai jamais faite, morning routine, mère-fille, mais vous ne verrez que moi dans la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 avril, mais vous verrez cette vidéo dimanche. Programme de ce matin... réveil tranquillement, puis préparation, petit déjeuner d'abord, puis on va se préparer pour aller faire un tour au marché et un peu de rangement aussi. Il est 8h35 et on va se réveiller tranquillement. Alors je vous donne rendez-vous dans la cuisine. Petit déjeuner. À tout à l'heure. Donc on se retrouve dans la cuisine pour le petit déjeuner. Donc j'ai préparé à ma fille un biberon de 240. Elle boit 240 ml le matin. Des fois elle finit, des fois elle finit pas. Pour ma part, et des fois elle mange ensuite une tranche de pain et un petit morceau de banane. Pour ma part, je prends deux petites tranches de pain comme celle-ci. Je prends mon petit café du matin et je prends aussi mes vitamines. Je prends Beroca Energy et bam. Beroca Energy pour celles et ceux qui sont fatigués, qui manquent de force, de vitalité, bref, d'énergie globalement. Je vous conseille de prendre le Beroca Energy car il y a aussi de la vitamine à l'intérieur. Il y a aussi ce genre de vitamine, la roscorbine, qui contient de la vitamine C. C'est pour la fatigue passagère. Donc à voir. Perso, je préfère le Beroca car il est plus, il renferme beaucoup plus de choses, de vitamines, que celui-ci. Mais à voir lequel vous préférez, si vous avez besoin, si vous en avez besoin et ou que vous manquez de force vitale. J'ai oublié de vous préciser, nous sommes vendredi aujourd'hui et ce n'est pas un jour où ma fille va à la crèche. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous ferai une morning routine entre le lundi et le mercredi, puisque c'est ces jours-ci où ma fille va à la crèche. Elle y va lundi matin, mardi matin et mercredi matin. Là, nous sommes vendredi. On finit le petit déjeuner, on va s'habiller et rendez-vous au marché, puis ensuite rangement dans la journée. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour notre préparation. Bon petit déjeuner si vous voyez cette vidéo en déjeunant et à tout à l'heure. Re tout le monde, alors on se retrouve dans la salle de bain pour l'habillage, le coiffage et ensuite on ira au mar. Pour les vêtements, j'ai choisi un petit body, fais voir. Non, je sais pas voir. Un petit body à manches courtes rouges. Ensuite un petit t-shirt comme ça. Et puis un petit tricot. Et un pantalon tout gris, de petite belle. Hein. Pour le coiffage, j'utilise ce produit comme ça parce qu'elle a les cheveux bouclés, frisés. Et tous les matins, je mets un quart d'heure pour la coiffer. Dites-moi si vous avez des solutions ou des produits pour bien démêler les cheveux des petits. À savoir, ma fille, elle a 2 ans et demi presque. Et pour le visage, j'utilise ce produit-là. Bébé Cadom, eau nettoyante petite main là. Et puis pour le visage et le corps, ce produit là de Doudi. Tiens, Chacha. Donc je vais me préparer, je la prépare, je m'habille et on se retrouve devant le hall, dans l'entrée. Ah voilà, c'est ça, c'est pour éviter.
Il a peur, le gamin? Oui. Ah, oh, bah ben, ça va. Non, celui-là, il a peur. Il a peur, celui-là? Il a peur de quoi, le loup-garou? Non, celui-là. Ah oui, celui-là. Ouais. Ah oui, le petit garçon, le loup-garou. Il a peur du loup-garou, tu crois? Oui. Oh là. Ça va plus vite, le gros loup-garou. Donc voilà, moi je suis prête aussi. J'ai mis un petit pantalon léger, jean de la marque FB Sister, un pullover à col pointu. Et ma pochette, c'est la marque Sine Qua Non, mais je ne peux pas vous dire d'où elle vient, car elle m'avait été offerte pour un anniversaire. Mes petites baskets, et je vous donne rendez-vous au marché. Je vous montrerai un peu les emplacements et le marché. Donc si cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, laisse un gros pouce bleu. Check sur la petite clochette pour être au courant des notifications. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour être au courant des futures vidéos. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et à la prochaine. Bisous, c'était Anaïs de la chaîne Cosmétiques et Compagnie. Ciao, ciao!
Bye.